Ici, en Bourgogne, il y a deux choses qui sont sacrées. La première, c'est de faire le meilleur vin possible pour honorer la terre. Et la deuxième, c'est la transmission. Monsieur Maréchal, vu l'état financier de l'entreprise, vous allez être placé sous tutelle judiciaire. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Tes vignes, tu les mérites plus. T'en fous plus une, papa, il est juste là, le problème. Faire du vin pour moi, ça n'avait de sens que quand on était une famille. T'as des nouvelles de Charlie? Pas souvent. Je m'inquiète pour les enfants, c'est aussi un peu à eux, ce domaine. C'est dingue, vous m'avez rien dit. Ça aurait changé quoi, tes pavillons? Vendange trop mûr, 8 sur 20. Ça marche, votre truc? 150 mètres carrés en plein cœur du Marais, voiture de luxe et assistante en Chanel. Si tu laisses faire, on va tout vendre. En fait, tout en douce depuis 15 ans et maintenant que ça dérape, c'est à moi de réparer. T'en as pour un an, maxi, Charlie. Ce métier, tu le connais pas. Tu l'as même jamais appris. Tu vas m'aider? La vigne, j'ai plus envie. Papa, tout seul, j'y arriverai pas. On m'a vinifié comme à l'époque. D'abord la technique, d'abord la chimie. Ouais. Et tu vas les élever dans quoi, tes vins malins? Dans des amphores comme les Romains? Tu devrais rentrer chez toi, Charlie. Ici, tu perds ton temps, tu me fais perdre le mien. De toute façon, maintenant, c'est qui tout double? Si on change rien, on refera les mêmes conneries. C'est aujourd'hui qu'il faut tout remettre à plat. Et ça tombe bien parce que c'est ce que je vais faire. Si on peint plus dans les grottes avec les mains depuis qu'on a inventé le pinceau, hein, ça s'appelle l'évolution. Tu sais, si ça pète, y'a rien à faire. À part arrêter la pluie. Personne n'a jamais fait ça, Charlie. Bah nous, on va le faire. Bien le cheval, hein. Ça fait pas de bruit. Va au bout de ce millésime. Après, tu feras le bilan. C'est médiéval, ton truc, je te jure. Vous savez ce qu'il disait, Gandhi? Au début, il t'ignore, après, il se moque, mais à la fin, il t'imite. Et j'ai du vin, Gandhi? Ça va marcher, je te dis. J'espère, parce que sinon, on va se foutre de nos gueules jusqu'à la fin de nos jours. Tu crois qu'ils vont être bons, les vins de Charlie? Je sais pas, j'ai pas le droit de les goûter.